Après avoir accompagné des centaines de coachs, je peux vous dire que cette image montre une réalité qui est très, très, très flippante, dangereuse. Mais heureusement, en voyant ce que vous allez voir aujourd'hui, ça va débloquer certaines choses. Je m'appelle Lingen, ma passion avec mon équipe, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business. Et le truc, c'est qu'avec les coachs, il y a tellement, tellement de remises en question, de réflexions, d'introspection, que parfois, on peut se retrouver à exacerber les peurs qu'on a et à ne pas être suffisamment dans l'action. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps de parler de cette peur, de ces peurs. La première chose, c'est qu'en haut de cet iceberg, il y a la peur de l'échec. Et souvent, c'est ça. On a peur de publier une vidéo parce qu'elle ne sera pas vue, on sera critiqué. On a peur de faire un appel avec un prospect parce qu'on a peur qu'elle nous rejette et qu'elle ne veuille pas devenir client. Et je ne nie pas l'existence de cette peur. Moi-même, évidemment, que j'ai souvent peur d'échouer. Mais je peux vous garantir qu'il y a une autre peur qui est bien plus forte, bien plus présente, bien plus grosse, c'est la peur de réussir. C'est que chez la plupart des coachs, il y a une tendance, et je dis les coachs, mais on peut parler de beaucoup, beaucoup d'autres personnes que les coachs, hein, mais il y a une tendance à l'auto-sabotage. Et si on ne s'en rend pas compte de pourquoi, eh bien, ça devient dangereux parce qu'on est frustré, on mène des actions et on n'a pas de résultat. Et c'est quoi l'origine de cet auto-sabotage? C'est la peur de réussir. Parce que si vous creusez, ce qui peut vous faire peur, c'est de briller, c'est d'être sur scène, c'est d'être un leader avec des responsabilités. Et souvent, cette peur de réussir, c'est parce qu'on a des croyances limitantes qui sont rattachées en mode « Oui, mais si je réussis, tout ce que je vais faire va être épié. » Je vais devoir me justifier, je vais manquer de temps, je ne saurai pas comment gérer l'argent, j'aimerais avoir une vie simple, une vie plus tranquille. Et toutes ces croyances sont potentiellement des croyances limitantes. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à prendre conscience qu'au fond de vous, il y a une peur de réussir qui est bien plus grande et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc, ma question pour vous est comment aborder cette peur de réussite? Qu'allez-vous faire pour surmonter cette peur de réussir et ne pas utiliser la peur de l'échec comme excuse à ne pas vous lancer. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a une peur beaucoup plus profonde qui est d'incarner pleinement votre potentiel. Si ce message vous parle, je vous invite à regarder la masterclass. Dans la masterclass qu'on vous offre en dessous de cette vidéo, il y a la possibilité de découvrir les quatre piliers d'un business profitable. Et un des piliers, c'est la partie mindset et où on rentrera plus en profondeur. Mais il n'y a pas que du mindset, il y a du marketing, il y a de la vente et il y a de l'organisation. Donc, j'ai hâte que vous découvriez cette masterclass parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et en même temps, c'est beaucoup plus passionnant qu'on le pense quand on commence à avoir des résultats. Donc, c'est mon but, découvrir cette masterclass et je vous dis à très bientôt.